Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire ce qu'on appelle le compte-rendu de la consultation. Alors, ce compte-rendu de la consultation, il contient trois points. Alors, les difficultés à prendre en compte, les problèmes à résoudre par rapport à votre problème des artères, les points forts, les sources de motivation, les soutiens possibles et les priorités. Vous commencez par ce que vous voulez. Alors, la La priorité. priorité, ce serait de régler cette douleur qui est, de mettre fin à cette douleur-là Régler cette douleur. ah oui, qui est, c'est vraiment un gène, hein. C'est affreux, ça, hein. C'est affreux. D'accord. Et pour vous, est-ce qu'il y a des difficultés à prendre en compte, des problèmes à résoudre? Dès l'instant, non, je pense pas. Dès l'instant que qu'on me dit de faire quelque chose et puis que je sens que ça va dans le bon sens, non, non, moi je suis partant quoi, pour les ateliers, pour. Alors moi, je vois quand même un tout petit, une petite difficulté, si ça ne vous dérange pas, c'est qu'en fait, vous avez aussi un problème d'hernie discale qui Oui. peut peut-être freiner la rééducation. Il faudra voir avec la kiné qu'elle Oui. l'adapte bien pour qu'elle ne vous déclenche pas de douleur dans le dos, de lombalgie, comme on dit, hein. Donc pour nous, c'est une petite difficulté parce qu'il va falloir faire aussi avec le problème de la colonne, hein, que les exercices qu'on vous fait faire pour les jambes ne vous déséquilibre pas le dos. D'accord. D'accord? Donc je peux quand même l'écrire. Oui, Donc oui. là, problème rachidien. Par contre, les points forts, les sources de motivation, les soutiens possibles. Mais par vos ateliers, puis j'ai le soutien de la famille Ah aussi. oui, le soutien. Vous avez un bon tissu familial. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, je sens d'autres choses, mais. Je vois pas bien. Vous voyez pas? Vous croyez que on ne peut pas dire que vous avez un bon tissu familial, mais aussi vous avez envie de Ah, j'ai profiter? envie, oui, de. C'est sûr. Vous avez envie de profiter de la Oui. vie? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme atelier? Moi, je vous propose dans un premier temps de participer aux deux premiers ateliers. Vous souffrez des jambes, pourquoi? On vous expliquera pourquoi vous avez mal, quels sont les mécanismes de la douleur et à quoi correspond une artère, une veine. D'accord? Les ateliers se passent en groupe avec d'autres D'accord. personnes qui ont le même Qui angle. problème. Donc, il y a des échanges souvent très D'accord. intéressants. La maladie des artères, d'où ça vient, comment on peut la contrôler, ça aussi, c'est Oui, sur oui. le contrôle des facteurs de risque. Ces mots médicaux qui veulent bien dire éviter l'aggravation de la maladie en contrôlant ces facteurs de risque qui sont D'accord. tendance à la sédentarité, le surpoids, puis pour certains, le diabète, le tabac et tout, d'accord. Ensuite, la meilleure façon de marcher avec la kiné, à mon avis, Ah c'est un oui. atelier qui est très très important. D'ailleurs, on vous proposera de participer à un atelier dans quelques mois aussi, parce qu'on s'est rendu compte que deux ateliers, c'était bien aussi pour voir la progression. Ensuite, moi, comme vous avez un problème un petit peu de triglycérides et que vous êtes gourmand, je vous proposerai bien Diététicienne. la diététicienne Ouais. avec madame, toujours y aller D'accord. avec la personne responsable de la cuisine. Oui. Donc avec une diététicienne. Et on se reverra ensuite après ces ateliers. La deuxième consultation est une consultation qu'on appelle d'objectif, c'est-à-dire qu'ensemble, on va arriver à se fixer des objectifs, mais concrets. Dire, voilà, pendant la semaine, je vais faire ça, ça, ça. Un programme personnalisé autour de votre personnalité et autour de vos habitudes de vie. D'accord. D'accord? Ensuite, après cette deuxième consultation, on verra si vous voulez compléter d'autres ateliers. Parce qu'il y a un atelier aussi sur En route vers l'équilibre alimentaire qui pourra peut-être être intéressant dans un deuxième temps. Et il y D'accord. a aussi un atelier sur tout savoir sur vos traitements qu'on pourra peut-être aussi réaliser dans un deuxième temps.
Et puis, on vous laissera partir en Corse et on fera le point au retour. Au retour. D'accord? D'accord. Eh bien, je vais vous laisser aller. Voilà, je vous remercie, docteur. Au revoir. Au revoir.